L'histoire, c'est celle d'une bande de copains dans les années 70 qui s'installe dans un café-théâtre grand comme un garage. Où est la troupe ? Eh ben, je vais vous présenter mes camarades musiciens, n'est-ce pas ? Alors, il y a Christian Clavier. Bonjour. Il y a des toilettes. Hein. Michel Blanc. Oui, comédien, dit un tel. Marianne Chazelle. Je me suis coupé le doigt. C'est ta faute. Et n'est-ce pas le grand, comment tu t'appelles toi, hein ? Thierry Lhermy. Pour l'adresse, elle voulait dire chez elle. Et c'est cet homme qui va les mettre sur la voie du succès. Guy Laporte était alors chef de village au Club Med. Bon appétit, chers amis. N'oubliez pas le tournoi de volleyball à 16h avec Popeye. Et puis ce soir, la grande soirée spectacle cabaret avec Bobo et André. On compte sur vous. Allez, bonne journée à vous. Merci. En 1974, c'est lui qui les invite pour la première fois à se produire sur scène sous les cocotiers. Toute l'équipe est splendide. Hein. Ils sont venus me voir au Club Med et ils en ont profité pour observer les gens. Voilà. Et puis ils ont écrit, mais sans me le dire, je ne le savais pas. Ils m'ont mis devant le fait accompli. Et ils ont écrit petit à petit, sur 2-3 saisons peut-être, leur spectacle, Amour, coquillage, crustacé. On a été payé. On jouait une fois une pièce et on passait une semaine dans le club. Voilà. Ou alors, on jouait deux fois puis on passait deux semaines. Et c'est ça. On trouve là un repos hautement réparateur sans qu'il soit besoin de mener une vie monastique. Le Club Méditerranée et ses villages vacances. Une révolution dans les congés payés des Français. Le soleil, la mer et un vent tropical de liberté sexuelle. Pour les jeunes auteurs du Splendide, le club est une mine d'or. J'ai pas trouvé ma case. J'ai été obligé de passer la nuit avec cette femme charmante au sanitaire. Je précise que je peux être charmante ailleurs qu'au sanitaire. Bien sûr. On sentait bien que c'était complètement nouveau, quoi. À part un peu au sketch traditionnel, on connaissait Fernand Reynaud, etc. C'était vraiment très moderne. Alors, si vous voulez, on appelle ça un coup de pied circulaire, Mawashigiri, parce que c'est un coup de pied qui est circulaire, si vous voulez. Puis j'ai Jean-Claude en face de moi. On vit 24 heures sur 24 ensemble, parce qu'on est en Côte d'Ivoire. Quand on n'était pas en tournage, on allait voir les copains et les copines sur le tournage. C'était vraiment une communauté, presque. Ça a duré 5 semaines, je crois, un truc comme ça. Quel bonheur.